Salut! Donc cette fois je mange une pomme. Parce que j'ai pas du tout aimé mes dernières vidéos où je dis rien là, c'est pas sérieux. Enfin, je dis rien d'intéressant donc. Enfin si, je parle du jeu pour une fois, mais. Ce que je veux dire, c'est que je dis rien d'intéressant au niveau du. Ah voilà, c'est chiant quoi. Donc j'ai décidé d'animer ça avec une pomme. Vous avez vu, je suis passé par la droite. Pour le tourniquet. Donc maintenant je passe. Attends, et là j'ai qu'une main, je peux pas foutre deux coups. Merde, j'ai foutu le jus de pomme sur le clavier. Putain, quel con. Ah, c'est pas. Voilà. Et là, en fait, je vous dis pas la scène de Barjo. Vous voyez rien d'ici, mais. J'ai un paquet de mouchoirs dans une main, toi. Pour nettoyer le clavier. Et dans l'autre, je dirige les touches. Donc voilà, vous passez par là, et cette fois, clac. Enfin, il y a d'autres moyens. Hein. Enfin, du moment que vous arrivez à monter, on s'en fout. Voilà. Hop. Attendez, on va pas faire comme ça. Foutre la pomme devant moi, comme ça j'ai pas besoin des mains. Je vous fais comme un chien. Voilà, alors. Ça, j'ai les deux mains, je mange avec la bouche quoi. Oh non, pas ça. Je crois que je me rappelle de ce connerie. Le truc avec les. Ouais, je vais me perdre là, c'est obligé. Obligé. C'est obligé que je vais me perdre parce que. Ok, en plus j'ai plus le bouclier comme un con. Le truc c'est qu'avec l'appel on risque de se blesser quoi. Voilà. Voilà, et qu'est-ce que je viens de prendre? Ah oui, une clé. Donc ouais, on peut pas passer par là. Ah oui, putain, je vous ai pas dit. Ce donjon. C'est là où il y a un des boss. Ouais, ça doit être le boss même. Hein. Le plus dur du jeu pour moi. Bon, il est pas excessivement dur non plus, mais je risque de gueuler comme un porc parce que je risque de perdre pas mal de fois quand même. De toute façon, si ça arrive trop, je couperai et ouais. Alors là, il faut que je retourne vers la droite. Ah merde, mais là, ça va pas aller vers la droite là. Bon, j'ai pas le choix. Ah merde, ça marche pas mon truc. Parce que du coup, je suis obligé de baisser la tête pour prendre la pomme. Je vois pas l'écran. Mais. Ah. Ça a l'air de m'emmerder. Hein. Bon, je suis ces couleuvres là de merde. Enfin, je dis couleuvres, mais si ça se trouve, c'est des cobras. Hein. C'est intelligent ce que je dis. Bon, voilà. Encore un tour. Plus ou moins pour le bruit, c'est bientôt fini. Et donc, on monte. Et voilà. Ah oui, je vous rappelle de ça aussi. C'est très chiant. Ah, l'esquive. Vous allez voir qu'il me fait tomber tout le temps. Sans. Ok. Quand on tombe pas tout seul. Mais bah. Va te faire. Putain. Mais putain, mais je suis vraiment con, quoi. Je sais même pas pourquoi je pose la question, bordel. Voilà la boussole. Merde. Bon, ce sera plus rapide. Hein. Ah oui, là je vous rappelle, il y a le soleil qui va s'effondrer. Donc il vaut mieux tuer les chauves-souris d'abord. Hein. Attends, je finis ma pomme sinon ça va être bordel.
Hugo. Merde. Et voilà. Ok, génial. Bon, au moins, au fond, on aura plus de bombes, quoi. Sauf que les bombes, c'est toujours le truc qu'on a toujours. Il devrait plutôt nous mettre des graines. Parce que... les bombes, on s'en fout, on a toujours trop. Donc, ça ne sert à rien. Donc là, hop. Ça sent le donjon de gros bâtard. Donc, cherchez pas à tuer les machins, ça sert à rien. Voilà, équipe niveau 2, tranquille. Donc, eux, ils sont légèrement plus forts que les mobs là. Mais c'est quand même des grosses merdes. Voilà. Ok, donc là, en fait, c'est juste un piège. Cette salle ne sert à rien. Bon, alors. Quelle est la salle qui sert là-dedans? Parce que. Ouais. Enfin, j'ai toujours pas fait le test, je sais pas si ça me. Ça me bloque l'émulateur ou pas. Non, je vais pas tenter. Ah, bah d'accord, il y a une route là. Je suis vraiment con. Donc c'est bon, je finis ma pomme. Mais le truc, c'était pas une golden. Révélation. Non, parce que dans Golden Sun, c'était une golden, toi. Puisque c'est Golden Sun, forcément. Mais là. Putain, mais. Allez, viens. Putain, oh, je vais pas crever là. Ouais, je sais pas quelle variété de pommes c'est, mais bon. On s'en fout. Ah, c'est bien avec mes vidéos, on a aussi des reportages sur la vie des. La vie des pommes. Voilà, donc. La prochaine vidéo, la reproduction des chauves-souris. Avec Mr. Freeze. Non, je déconne. Je le ferai bien, mais. J'ai aucune idée de la reproduction des chauves-souris, donc. Donc voilà, c'est là que je me perds tout le temps. Parce qu'il y a 35 000 machins pour tomber en bas. Et je sais pas s'il faut ou pas, parce que des fois il faut, hein, forcément. Et donc je me perds comme un con, et voilà. Ah, yes. Et voilà. Et bon, au niveau de... même pas d'énigme ni rien, pour l'avoir. Donc vous allez voir, il est marrant, mais sur l'émulateur, ça va être moins drôle. Parce qu'on peut modifier sa trajectoire. Donc dès qu'il est lancé, on utilise les touches, comme ça. Et sur Game Boy Color, c'est beaucoup plus pratique. Parce que là, bon... Donc vous voyez, on peut modifier comme ça. Pourtant, sur Game Boy Color, j'arrivais à faire des 8 avec. Mais comme ça, là. Merde, j'arrive pas, là. Donc faut laisser le bouton appuyé. Et bouger le truc. J'arrivais vraiment à faire des... ouais, voilà, j'arrivais à faire ça. Voilà, quoi, c'est fun. On s'en fout, mais c'est pas grave. Mais voilà, là, pour le boss, faut bien le maîtriser, quoi. Donc là, je crois qu'on n'a pas le choix, on tombe, hein. Hop. Et donc, bon, là, pareil, on n'a pas le choix. Et voilà, oui, je me rappelle. Heureusement que là, je me rappelle. Non, parce que la première fois, enfin, la dernière fois que j'ai fait la partie, là, sur la Game Boy Color, je me suis perdu parce que je retrouvais plus où il faut aller. Enfin bon. Alors qu'en fait c'est tout con. Ok, bon. Ah, la feinte. Et voilà. Donc là c'est bon, je me suis pas perdu pour une fois. Donc là vous voyez, il faut la bouger. Voilà, c'est pas trop dur. Hein. Là, si vous avez un petit lag, en fait, c'est parce que mon antivirus de merde qui fout une mise à jour tout le temps. Donc, vous voyez, il blesse même les ennemis en les assommant, quoi. C'est le must du boomerang, c'est le quintessence du... bon, j'arrête, je vous dis de la merde. Oulala. Oulalalala. Bordel de merde. Ok, génial. Merde, le boomerang.
de me faire chier. Donc là, y a rien, ok. Voilà. Oh putain. Non, putain, mais je suis vraiment. Non, je vais pas crever là. Putain de merde. Où est la plume? Ok, je la sors moi, c'est pas grave. Je sais pas si le bouclier ça marche. Là, il me faut. Voilà, c'est bon. On va se mettre loin, comme ça. Attends, on va mettre. Hop. Go. Putain, salope. Mais putain. Alors, c'est en bas ou en haut? Ah, d'ailleurs, je suis toujours pas tombé sur le mini-boss depuis tout à l'heure. Non, c'est en bas. Putain. Ça ferait chier de crever, je devrais remonter tout le truc. Putain. Voilà. Putain, là, si je tombe sur. Oh yes! Bon, là, par exemple, je sais pas si je dois descendre ou pas, quoi. Bon, me faites pas tomber, bordel. Ok, génial. On chie avec leurs énigmes à la con. Quoi là, il manque. Ah bon, il y a un coffre. Ah ouais. Bon, allez, je vais tomber, mais je crois pas qu'il faille le faire. Non. Bon, allez. On chie de mettre des trucs comme ça. Quoi. Ah bah, c'est bon. C'est bien un endroit où je suis pas allé. Il va falloir quand même que je récupère ce putain de bouclier parce que. Oh, mais je vais te sauter quelqu'un. Ah 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 ah! Je crois qu'on est au. Pute. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà fait ça. Je sais pas pourquoi. Putain, je serais pas en train de réenregistrer des vidéos que j'ai déjà faites. Je me rappelle trop de cet endroit. Ça. Sérieux, j'ai peur d'avoir déjà fait le truc. Bon, on va voir. Putain, ça serait con ça. Parce que là, je sais qui est le boss. J'ai l'impression de l'avoir déjà fait le boss. Ah non, c'est pas lui. Non, ouais, non, je confonds. Je dis de la merde, je cherchais pas. Là vous allez voir que c'est assez chiant. Mais attends, mais j'avais le super lance-graine. Je suis pas fou là-haut. Pourquoi j'ai plus que le lance-graine normal? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, y'a un truc qui va. Attends, j'ai déjà fait ça, putain, j'ai déjà fait ça. Putain, non, sérieux là, j'ai trop l'impression d'avoir déjà fait ce truc. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça fait 3 vidéos que je fais pour rien là. Attends, pas ça. Pas ça, bordel. Pitié. Si c'est le cas, je vais me tuer là. Suicide. Un coffre caché. Voilà, c'est ça. C'est ça que servait cet endroit en fait. Mais attends, mais je suis certain d'avoir fait cette vidéo, je sais pas pourquoi. On verra bien. Pourtant, je me rappelle pas d'avoir battu ce boss. Boss, il est où, putain? Ah yes, c'est le truc que j'avais oublié, ça tombe bien. Ah. Ah ben parfait, je crois que j'ai tout fait. Ouais.
clé. Bah, merde, quel con. Putain. Je peux te remonter. Attends, où est-ce que. Le boss est tout en haut, ok. Donc, ça, on peut pas remonter. Bon, bah, je crois que je vais me retaper tout le chemin dans l'autre sens. Donc, ça, c'est fait. Non, mais. Je fais de la merde. Ça va pas ça. Par là peut-être. Non. Bon, j'essaie de me repérer dans. J'ai coupé la vidéo là, j'essaie de me repérer dans la prochaine parce que. Qu'est-ce que je tourne en. Bon, à la prochaine. Je te retrouverai pas loin du boss. Allez, salut.